Bonjour les amis, alors aujourd'hui j'ai préparé une caméra cachée et je suis pas seul, donc je suis avec l'équipe Spirit Custos, c'est une agence de sécurité et on va faire un sale coup à Daniela, je vais faire croire, écoutez bien, je vais faire croire qu'on la kidnappe, mais regardez le gabarit des gens, tiens moi David, regardez le gabarit des gens, moi je le ferais, forcément je leur ferais pas chier, donc on verra comment Daniela va réagir, à tout de suite pour la vidéo. Bon, il m'a vu tout de suite. Ça, t'es là? Salut, hein? Ça va? Combien c'est ça? Plus 50. C'est pas quoi, hein? Putain, chaud. Oh putain, Dani! Dani! Non, mais qui en veut à ton homme? Hein? C'est une caméra cachée! C'est une caméra cachée, on rigole! On est ensemble, t'inquiète! Mais bah oui, c'est drôle à quoi? Magnifique! Il était au courant, Nico? Il était au courant. On était tous au courant d'ailleurs. Sauf toi. Oh, mais le bâtard, j'ai mal au cœur, je te jure! Et je te jure, il est en train de sursauter, hein! Ouais, tu m'as menti, putain. Bah écoute, je me défendais, hein. Aïe, mais je vais le frapper celui-là, tu vas voir, il va rien comprendre. Alors, on va voir, Dani. Je te jure que la vie de ma mère, c'est vraiment une connasse, bébé. Vraiment, j'ai cru. Tu me fais chier. Oh, mais c'est bon. C'est rien. Oh, mais j'ai commencé à paniquer et tout, je savais pas quoi faire, je te jure. Et regarde, regarde. Mais toi, t'es un malade, tout ça, une vidéo, je te jure. Regarde, je sais pas. Regarde, lui aussi. Bébé, ça va? Mais non, ça va pas, t'es con ou quoi? Et je te jure, je t'ai vu partir, j'ai vu l'autre arriver, j'ai commencé à paniquer, je voulais fermer la fenêtre. Et pourquoi t'es pas sorti direct? Parce que moi, je pensais qu'ils allaient pas rentrer, j'ai appuyé sur le truc.